vers ton alliance, Seigneur. Ne délaisse pas enfin l'âme des pauvres. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Regarde vers ton alliance, Seigneur. Ne délaisse pas sans fin l'âme des pauvres. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Le Seigneur entend certainement le cri de ceux qui le cherchent. Puisse notre désir de rencontrer le Seigneur rester vivant et stimulant. Frères et sœurs, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Ouvrons d'abord nos cœurs à la divine miséricorde. Nous ne croyons pas assez en l'Esprit qui nous inspire. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous hésitons devant la moquerie, la contestation, la contradiction. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous prions trop peu pour les églises persécutées. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Cette messe est offerte pour le repos de l'âme de Roger, Christine et Maxime par la famille Landry avec tout son amour. Et nous prions. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit-Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nous l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu, car de toi seul, l'orphelin reçoit de la tendresse. » Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lys. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment, ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès, toujours vert.
c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta grande miséricorde efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Si tu veux, au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc, plus blanc que neige. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. Un esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Ma bouche annoncera ta louange, Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous avez à dire vous sera donné à cette heure-là. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons.
la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, Jésus envoie tous ses disciples dans la mission. Et une mission qui rencontrera de forts obstacles, le refus, la persécution, la mort. Mais Jésus nous donne, deux directives, plutôt deux orientations. En dépit de ce contexte négatif où nous devons vivre notre mission, le disciple doit demeurer candide. Candide. À mon avis, cela veut dire que le disciple de Jésus-Christ croit et met à l'œuvre certaines valeurs dans lesquelles il va croire jusqu'au bout. Et quelles sont ces valeurs? La vérité, la justice, le pardon. Et le disciple de Jésus-Christ est candide parce qu'il croit que les grandes valeurs chrétiennes vont triompher au bout de la ligne. Voilà notre candeur, celle d'un authentique idéalisme chrétien. Mais en même temps, Jésus nous donne une seconde orientation. Il nous dit d'être prudent. Prudent? Eh bien là, je réfère à d'autres attitudes que vous connaissez très bien. Le gros bon sens, dans le meilleur sens de ce terme. La fermeté, la discrétion. Et au bout de la ligne, je dirais prudence, c'est-à-dire que le disciple connaît très bien son objectif. Proposer et vivre l'Évangile. Mais pour atteindre cet objectif, il est prudent en choisissant le meilleur moyen aujourd'hui. Et pour conclure, frères et sœurs, dans la réalisation de notre mission, Jésus nous assure que l'Esprit est en nous. Cet Esprit qui fait de nous un enfant, un fils, une fille bien-aimée du Père et qui fait grandir en nous l'image de Jésus-Christ. À cet Esprit, confions-nous tout entier.
Accueille favorablement, Seigneur, ces présents qui, dans ta miséricorde, tu as donné à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Fais qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Christian Lépine, notre évêque auxiliaire Alain Faubert, ainsi que tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Outre tous nos défunts, nous prions plus particulièrement aujourd'hui pour Roger, Christine et Maxime, par la famille Landry avec tout son amour. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, ainsi que tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En union avec nos frères et sœurs qui subissent la persécution, disons la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, délivre-nous de la guerre, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est le Père qui appartient à l'oreille de la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés Frères et sœurs, heureuses, heureux sommes-nous d'être les invités au banquet de noces de l'agneau. Il est celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux, à cette heure, vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Consolider les barres de tes portes,
côté mur, il a béni tes enfants. Glorifie-le, Seigneur Jérusalem, de la fleur du framont, il te rassasie. Alléluia, 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 alléluia. Il fernit la paix à tes frontières, et de pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie-le, Seigneur Jérusalem, de la fleur du froment, il te rassasie. Alléluia, 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 alléluia. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie-le, Seigneur Jérusalem, de la fleur du froment, il te rassasie. Alléluia, 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 alléluia. Prions. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, nous procure le salut et qu'elle nous affermisse dans la lumière de ta vérité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci d'être venu prier et célébrer avec nous. À chacun et à chacune, je souhaite une très bonne journée. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.